avec beaucoup de joie et de reconnaissance que nous, sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, de la province de la RD Congo Burkina Faso, avons reçu la visite canonique de notre supérieure générale, sœur Anna Maria Alcalde, du 13 juin au 16 juillet de cette année. Sœur Arlette Mbalanda, provinciale de l'unité du Congo Burkina Faso, avec le consentement de son conseil et celui de la mère générale, a organisé de telle sorte que sœur Anna Maria Alcalde débute sa visite canonique au Burkina Faso. La sœur Anne-Marie a été accueillie chaleureusement par les sœurs apostoliques, les associés laïcs et les parents des élèves du lycée dirigé par nos sœurs. Sa présence fut un grand réconfort pour les deux vocations de la famille présente au Burkina Faso. Au fait, c'est depuis 5 ans que les sœurs apostoliques se sont installées au Burkina Faso et quelques années plus tard, quelques couples laïcs ont accepté volontiers de pouvoir partager le charisme de Pierre Bienvenu Noël. Le 19 juin, la sœur Anna Maria, notre mère générale, a foulé le sol congolais. Elle fut accueillie par les sœurs de nos communautés résidant à Kinshasa, notamment la communauté de Kingabwa, la communauté de Kipase, et celle des Bibois. Merci pour les dons de fraternité à notre famille. Merci pour l'appel à faire partie de cette famille. Après un jour, la brave femme continue son long voyage pour Kikwit. Elle fut accueillie par les élèves du complexe scolaire Pierre Bienvenu Noailles, les associés laïcs ainsi que les sœurs de la Sainte Famille résidant à Kikwit. La mère était très contente de l'accueil de ses petits-enfants, surtout de la manière dont ils ont essayé de maîtriser l'esprit et le charisme de cette famille. Sa présence a redynamisé le corps enseignant
les sœurs, les associés, ainsi que les parents des élèves. Le lendemain, le dimanche, merci pour les dons, pour compatir à nos frères et sœurs prisonniers, la sœur Anna Maria a jugé bon d'aller prier à la prison centrale de Kikwit. Maria a visité la communauté de Ndunga, d'où elle fut reçue par le maman et le jeune femme des Évêques. Nous remercions vivement la Fondation Pierre Bienvenue Noailles pour le financement des travaux en Ndunga. Les mamans et les jeunes filles des Évreux sont bénéficiaires de plusieurs travaux ménagers, notamment la fabrication des savons, l'élevage du porc et les travaux du jardin pour leur survie familiale. Sœur Anna Maria a poursuivi sa visite jusqu'à Idiofa, le chef-lieu du diocèse et la maison provinciale. Elle fut accueillie par une immense foule composée de sœurs apostoliques, des associés laïcs, des enfants Kizito et Anwarit, sans omettre les jeunes femmes des œuvres qui apprennent la couture à l'atelier Noailles. Lors de sa visite, les jeunes filles des œuvres ont exprimé leur grande joie et leur reconnaissance à la Sainte Famille pour leur encadrement. Les parents des sœurs habitant Idiofa, les associés laïcs et toutes les connaissances sont passées tour à tour pour saluer la sœur Anna Maria. Et nous avons été touchés par sa générosité, sa proximité, sa compassion envers tous ceux qu'elle a pu rencontrer. Sœur Anna Maria a visité le malade et a même prié avec le malade à l'aumônerie Saint-Luc d'Idiofa. La sœur Anna Maria a rencontré toutes les vocations Sainte Famille existant à Idiofa. Les demoiselles consacrées, les associés laïcs, les sœurs apostoliques, les jeunes en formation, novices, pré-novices et candidates. Merci pour les dons et fraternité à notre famille. Merci pour l'appel à faire partie de cette famille. En dépit du mauvais état de nos routes, sœur Anna Maria est allée jusqu'à Gungu pour visiter le membre de la famille de Pierre Bienvenue Noailles, des associés, les sœurs apostoliques, ainsi que leurs collaborateurs, enseignants et élèves. La sœur fut accueillie avec beaucoup de joie et sa présence a été un grand réconfort pour cette population de Gungu, surtout pour les deux vocations qui existait
à goût. Pour son amour, elle a reçu beaucoup de dons de la part des enseignants, des associés, des soeurs et de toutes nos connaissances. Célébrons la famille, vivons la communion, peuple de la terre, peuple de la terre. Célébrons la famille, vivons la communion, comme Jésus, Marie et Joseph. Merci à Marie, notre dame, de toute grâce. Soyons artisans de paix, des communions et témoins de changement. Célébrons la famille, vivons la communion, peuple de la terre, peuple de la terre. Célébrons la famille, vivons la communion, comme Jésus, Marie et Joseph. Sœur Anna Maria a continué sa visite pour la communauté d'Engache, d'où l'abbé curé de la paroisse, abbé Archange Moulom, les sœurs de la communauté, les enfants Kizito et Anwarit, les associés laïcs, ainsi que quelques paroissiens, l'ont reçu avec faste. Célébrons la famille, vivons la communion. La sœur Anna Maria n'a pas hésité d'exprimer sa grande joie pour cet accueil si chaleureux. Et la population a beaucoup apprécié la simplicité, la compassion et la proximité de la sœur qui a accepté de descendre jusqu'en Gâche pour rencontrer et réconforter les sœurs, les associés ainsi que tous les chrétiens de Gâche qui l'ont reçu. Merci au Seigneur. À Banda, les cas, les associés laïcs et quelques chrétiens de bonne volonté ont accueilli avec joie la sœur Anna Maria, surtout le jeune maman qui travaille pour des travaux ménagers et surtout l'agriculture avec sœur Victorine. Ont exprimé leur joie parce que grâce aux sœurs, ces femmes arrivent quand même à se prendre en charge pour leur survie et pour la scolarité de leurs enfants par les travaux des champs, des légumes, des oignons et j'en passe. Sœur Anne-Marie a continué sa visite à la casse, d'où elle fut accueillie par le Kizito et Anwarit de la paroisse, les enseignants du lycée Sangol, les associés laïcs et quelques chrétiens. À la fin de la visite des trois communautés de Kinshasa, Sœur Anne-Marie a partagé un repas fraternel avec les associés laïcs de Kinshasa, les familles, parents ainsi que leurs enfants ont été ravis de pouvoir partager ce temps avec la sœur Anne-Marie. L'objectif de la visite canonique de la Mère Générale était de pouvoir encourager et redynamiser les différentes vocations de la Sainte Famille
existant en RD Congo et au Burkina Faso.